Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Cénandron pour un épisode un petit peu spécial, un épisode de piqûre de rappel. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc c'est-à-dire la semaine du 26 au 30, je vais faire une semaine de live un peu tous les soirs sur Twitch. Donc, les lives, je rappelle, c'est des séances de jeu, de gameplay en direct sur Twitch pendant lesquelles vous pourrez discuter avec moi à l'aide du chat, tout ça. Et j'aimerais qu'il y ait plein de monde, comme ça sera hyper sympathique. Voilà. Donc voilà, piqûre de rappel pour vous dire qu'il y aura cette semaine, ainsi que pour vous annoncer un petit peu qu'est-ce que je vais faire durant cette semaine au niveau du planning. Donc là, normalement, il y a le magnifique planning fait sous Paint en 10 minutes qui va s'afficher juste devant vous. Donc du coup, j'ai prévu de faire un live lundi soir de 20h à 22h sur du Minecraft, même si ça peut changer, hein, c'est tout ce qui est dans le tableau est sujet à modification, hein. Ça dépendra de ce que j'ai envie de faire, est-ce que je peux le faire, voilà. Donc lundi du Minecraft, mardi je fais rien parce que je pense que vu que ça sera mon premier gros live, il risque d'avoir des modifications à faire, donc je vais m'occuper de ces modifications de mardi pour tout remanier, essayer de refaire un petit peu les choses correctement. Mercredi, ça sera du Diablo 3. Voilà, donc Diablo 3, c'est sans doute celui qui est, je pense, le plus sujet à modification, étant donné que c'est un slash qui nécessite une bonne connexion internet. Je suis pas sûr que et le stream en direct et la connexion nécessaire pour Diablo 3, pardon, soit suffisamment puissante. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir faire tourner les deux en même temps. Donc ça, c'est, je pense, le moment le plus sujet à modification. Peut-être que je ferai pas Diablo 3, tout simplement. On verra bien. Donc c'est de 20h à 22h. Jeudi, cette fois-ci, c'est toujours de 20h à 22h. C'est environ les horaires, hein, vu que je mange vers 19h. Ça peut être je mange vers 19h comme je mange vers 20h. On verra. Le jeudi, donc, du Mountain Blade Warband. Pendant 2 heures, encore une fois. Ça va être super génial, je pense. Et en plus, comme il n'y a pas de connexion internet nécessaire, ça devrait être fluide. Et le vendredi, donc là, le vendredi, c'est un peu différent. Ça va être un gros, gros live d'environ 20h à environ minuit. Donc plutôt 4h de live. Et ça va être du mastoc. Ça va vraiment être du mastoc. On va, je pense, commencer par du Rift. Parce que j'ai envie un peu de m'y remettre. Vu que j'ai pas d'abonnement pour WoW et que je peux pas le prendre parce que ça me servirait pas à grand chose étant donné que lorsque je suis dans ma piole étudiante pendant 7 semaines je peux pas jouer et donc l'abonnement WoW je l'ai dans le. Voilà. Donc du coup un petit peu de Rift, même si c'est évidemment sujet à modification toujours. Si ça vous plaît vraiment pas et que moi aussi ça commence à me péter les noix, on changera. Et la dernière partie, donc plutôt de 22h à minuit, cette fois-ci, je vous laisserai choisir. On choisira durant la première partie, hein, vous inquiétez pas. Je vous laisserai choisir quel sera le jeu que vous voulez que je stream, bien sûr, dans ceux que j'ai dans ma liste. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous serez présents, en tout cas que certains d'entre vous seront présents. Moi, j'aimerais vraiment discuter avec vous. Je serais très content de faire ces lives, je suis sûr que ça va être génial. Et donc du coup, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, dont le lien est bien évidemment dans la description de cette vidéo, durant les horaires que je vous ai donnés. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur Twitter, tout simplement, parce qu'en fait, à chaque fois que je lance un live, il y a une notification qui apparaît sur Twitter. Donc si vous êtes sur Twitter à ce moment-là, vous le saurez. Ou alors sinon, vous pouvez suivre, c'est-à-dire aimer ma chaîne Twitch. Il suffit de vous faire un compte, d'ailleurs un compte ça sera indispensable si vous voulez parler avec moi. Il vous suffit de faire un compte, vous pourrez suivre ma chaîne Twitch en cliquant sur le petit cœur, je vais l'afficher à l'écran où est-ce que c'est, en cliquant sur le petit cœur, ça vous permettra en fait de recevoir un mail au moment où je commencerai le live. Donc au moins vous serez prévenus, pour ceux qui ont des smartphones, ils verront qu'il y a un mail qui est venu comme quoi voilà, je suis en live. Ça sera peut-être plus pratique. Ou sinon vous passez tout simplement pour ces horaires-là. Voilà, ça peut se faire aussi. Voilà, donc j'espère que vous serez présents, en tout cas j'espère que je pourrai discuter avec vous, moi je serais très très content de discuter avec vous. Bien sûr, ces horaires sont sujets à modification, peut-être que d'ailleurs je ne ferai pas forcément des lives sur tous les jours de la semaine, le vendredi c'est sûr, mais tous les jours de la semaine c'est pas forcément sûr, est-ce que j'aurai pas des petits trucs plus urgents à faire, genre une soirée, genre des trucs comme ça, parce que là je suis en vacances et il faut que j'en profite aussi un peu.
Ouais, on verra bien, mais normalement, je vais essayer de me tenir à ce planning. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo informative vous aura remis sur pied et que ça vous donnera donné envie de venir voir. Et normalement, je mettrai les replays sur YouTube. Sauf que peut-être qu'il n'y aura pas le son, étant donné que je mettrai de la musique en arrière-plan et que certaines musiques, elles seront coupées par YouTube, ce qui est fort dommage. Bon, c'est pas grave. Et puis je vous dis ben à lundi. Allez, salut tout le monde!